PEGI 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou, vous êtes prêts? Nous on poursuit. Je vois que déjà ça commence à bien tirer, hein. J'espère juste qu'on va pas se faire avoir comme tout à l'heure. Oh bah dis donc, il y a une bonne résistance ici à ce que je peux m'apercevoir. Hein. Oh là là. Oh merde, il s'est baissé à ce moment-là. Ouais, mais c'est pas facile avec le sniper, attends. Pour une fois que j'arrive pas à les abattre, c'est fou. Hein. C'est bon, parfait. Donc, attendez, oh là là, c'est lui qui me coince en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je pouvais pas viser où je voulais. Bon, maintenant, analysons vite la situation. Il y en a un ici. On a des bombardements allemands, son opposition. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Vas-y, tire. Voilà, parfait, on a tout neutralisé pour l'instant, à part lui, là, l'antiquinaire, là, je sais pas où il est. On voit rien, en fait, hein. Hein, tiens, tranquille, j'ai fini mon service, je m'en vais. C'est l'heure, hein. Il va pointer au chômage, maintenant, regarde-le, regarde comment il court. Eh, Pepe, tu vas pas pointer au chômage, hein. Oh, regarde, il a tiré avec sa... Je dirais pas l'expression, mais dans le cul. Oh, je t'ai mis ma banane dans les fesses. Franchement, le sniper l'a tellement baissé bas, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu obscène dans sa connerie. Bon, nous, on a bien protégé pour l'instant la zone, j'ai l'impression. On a quoi d'autre encore à faire? Vite, vite, vite. Y'a rien ici. Là, je m'en doutais. Hein. Ben, voilà, j'ai bien protégé mon équipe, c'est bien. Mais bon, c'est pas dit que ça va durer. Hein. Moi, plus avoir deux balles par contre. Hein. Bon, les balles, elles sifflent. Hein. Ouais, bon, bah, ta grenade, tu peux te la garder. Ce qui est chiant par contre, maintenant, c'est le brouillard. Donc, je sais pas où je suis. Donc, j'observe un peu en haut. Oh là là, ils ont tout détruit, hein. Tout le ravitaillement. Bon, c'est quoi, à mon tour de leur lancer des cadeaux. Je suis même pas sûr qu'il y a quelque chose là-bas. Ok, l'autre il est où? Faut que je repère les tirs ennemis en fait, dans le brouillard. Surtout les tirs ennemis, après le reste on s'en fiche un peu. Ouais, mais il a encore lancé son paquet chips. Putain, c'est pas vrai, pardonnez-moi, mais ils arrêtent pas de lancer des chocopops. Bonjour, je suis là. Oh, t'as glissé, hein. Dis donc. Non, 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 je m'en fous encore. Je m'en fous, je sais qu'il est moche, mais arrête de le regarder de plus près. Allez-y, on se retrouve. Mais ramasse son arme, petit con. Bon, on y va. Ah non, mais des fois, c'est pas évident de pouvoir ramasser les trucs. Oh, tiens, l'objectif a été pris. Oh non, mais je suis bloqué. Je passe à travers, je suis incarné là maintenant, ok. Bon, ah tu fermes la porte derrière toi, non mais attends, faut arrêter. Il a peur maintenant. Avec tout ce qu'il tue, il commence à devenir parano le mec. En haut, en bas, par en bas. Oh, une jolie arme. Donc là on a le portrait des personnes, d'accord. Donc ça, c'est les lettres des officiers qui écrivaient à leur famille aussi. Contact! Contact! Par contre, je m'attendais pas à un contact aussi élevé là-bas. Hein. Bon, on va mourir. Ça, je vous le dis dans pas longtemps. Avec leur contact. Est-ce qu'ils m'ont fait le privilège de me laisser mon sniper? Ouais. Contact. Oh, d'accord. Regarde, il t'observe, hein, body. Ah, dommage que tu peux pas faire une pierre de deux coups. D'accord, il y a que le sniper qui fait des jolies explosions ou quoi dans le jeu. Bonjour. Je cherche un contact.
Où est-ce qu'ils sont les autres? Non, non, ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là. Bon, pour l'instant, je les vois pas. Changeant d'arme. Corps à corps, oblige. Quoique, on s'en fout, on est pas obligé de toujours nettoyer toutes les zones. Hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin à chaque fois de nettoyer tous les gardes. Hein. On peut aussi les esquiver parfois. Bon, en fait, ils ont disparu par eux-mêmes, vous avez vu? Je suis sûr que c'est pour les déplacer dans un autre endroit, regarde. Hein? T'es où, toi? Pourquoi tu mens? Je t'ai pas vu. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? T'étais là, hein, campeur. Oh là là, comment il gueule. Tu m'étonnes. Courons, courons, body. Glory glacial. Vous êtes où, Runberg? Ok. Vous pouvez y arriver. Doucement. Bon bah. Putain, un moment que. Tais-toi de gueuler! Bon, viens avec tes copains. Viens avec tes copains. Scheiser, viens avec tes copains. Tu veux pas venir avec tes copains, hein? Bon bah tant pis, moi j'y vais. Hein. Ouh, il y a des jolies armes. Tiens, on va changer histoire de voir qu'est-ce qu'ils ont comme sniper à me proposer. Ouais, 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 donne-moi mon sniper. Hein. Commence pas à me carotte. Non, 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 je veux la MP40. Hein. Ça va pas ou quoi? Mon sniper, il est où? Il est là. Ça va pas ou quoi? Jamais je sacrifierai mon sniper. Hein. Pour toi, je peux pas. On va passer par là-bas. Elles sont vraiment nombreuses. Attends, j'attends un peu. Bon, ils arrivent, ils arrivent. Merde, MP40 body. Ouais, venez, glissez, glissez. Allez, venez. Je vous ai dit d'attendre, hein. Comme quoi, j'ai pas menti, hein. Courir servait pas forcément une grande chose. Hein. Ouais, moi non plus, il n'y a pas de munition. Doit avoir été notre illusion. Bon, on va le laisser en vie, celui-là derrière. Comme ça, il pourra témoigner devant le Führer qu'on a fait un exploit ici. Et qu'il a failli à sa mission. Non, mais d'accord, il faut arrêter les mortiers maintenant au bout d'un moment. On va commencer à s'inquiéter. Hein. Oh là là, il y a un monsieur MG42 quelque part. Il est où ce fou là? Merde. Et c'est Drum. Et c'est Drum. Et c'est Drum. Body. Et c'est Drum. Il est fou lui. Il voulait me buter. Donc en fait il est avec nous le mec qui tire là-bas. J'ai pas trouvé d'autre solution. Eh. Eh. Qu'est-ce que tu faisais là le temporiseur là? Ah. T'es sérieux? Je ne pensais pas ça de toi. Je pensais que t'étais loyaliste. Il n'y a que moi pour courir comme un con devant un baril d'explosifs. Bonjour. 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 Au revoir, au revoir. Ouais, ils sont de plus en plus nombreux là. Ah, je sais pas avec quoi ils tirent, mais j'ai l'impression qu'ils tirent avec une MG42 sur moi. Mais portable cette fois-ci. Il a en commandé sur internet pour pouvoir me neutraliser plus rapidement. Bon, lui il est là. Son copain il est en bas là. Elle est brûle. On en a quoi? On n'a pas des chocopops, on n'en a rien. Vous êtes arrivé jusqu'ici le journaliste? C'est pas impressionnant. Non. Simplement surprenant. Merci. Vous autres, vous restez ici pour sécuriser l'arrière. Le journaliste et moi, on va dans la forteresse. Vous êtes blessé? Ce n'est rien. Bien, je passe devant. Soit. On a que 25 balles dans le sniper à chaque fois. C'est pas un jeu de sniper. Hein. Bon, ils est... Oh non, ils est drum. Ils m'ont traumatisé avec leurs phrases là qu'ils arrêtent pas de répéter en boucle à la fin. Tu vas dire que quelqu'un, bonjour, Scheisel. T'es tellement incarné dans le jeu là. Bon, ouvre la porte là où te faire le semblant là. D'accord, tu l'ouvres avec une épaule toi.
Et toi, arrête de faire mes trucs. Objectif, ouais, bon, bah, tu sais, je m'en fiche. Hein. C'est vrai que j'aurais pu détruire les avions. Mais j'ai pas signé pour ça. Bon, bah. Le problème, c'est qu'avec ces conneries-là. Comment vous expliquer ça? Les grenades, c'est bien sympa, mais. J'en ai combien encore? Non, j'en ai plus. Bon, reprenons le sniper. Bon, une balle manquée. Non, je l'ai touché. Oh, trop fort. Je pensais que je l'avais manqué. Bon, maintenant, on va essayer de faire ça plus rapidement. C'est dur d'avoir le brouillard, en fait. Tu vois quasiment rien. Je trouve que je m'en sors mieux au sniper qu'avec la MG42, là. Pardon, avec la MP40. Oh lolo, MG42. Depuis quand t'as ça, toi? Tu arrêtes de fantasmer sur des armes que tu n'auras jamais. On va passer par le trou, là. D'accord. Et les étrumes. Putain, mais laisse tomber, ils sont 5000 là-dedans, maintenant. Merde, mauvaise idée. Mais qui tu sors des jumelles? Non, mais sérieux, Body? Arrête tes jumelles un instant. Voilà, c'est bon. Oh, comment des fois tu leur tires dessus, ils ont rien. Tu sais, les mecs, ils ont une vie assez spectaculaire, quoi. Regarde, ils courent, ils font des va-et-vient pendant une guérilla, quoi. Bon, là, je me mets ici, hein. Suivant. Ne me dis pas que je l'ai pas touché, je l'ai juste blessé. Il n'y a que moi qui joue au sniper, t'as compris? Tricheur. Ah, c'est pas possible, le petit tricheur. Bon, j'arrête de dire des bêtises, on va rapidement trouver une issue. Une issue, ouais, c'est ça, ouais. Et ils étaient. C'est quoi? Attends, il y a un truc qu'il faut ramasser là. On a quoi? Oh là là, ça veut dire qu'on va encore faire un feu d'artifice. Ouais, je voulais tester ce que ça pouvait donner. D'accord. Bon, j'ai pas besoin d'autant de C4. Le bâton de dynamite, pardonnez-moi, parce qu'après vous allez dire, ah non, mais c'est pas du C4. Hein. Oui, oui, c'est de la dynamite, je sais. Dis donc, il est bien équipé au niveau des gants, lui. Ah, s'il va aussi loin, c'est que ça va bien péter. Hein. Objectif atteint. C'est bien, ça. Ouais, bah, t'as mal glissé, là. Ouais, j'ai bien, parce que j'ai cru que ça avait clignoté un moment qui était mort. Bon, on a quoi, ici? Pardonnez-moi, c'est le mauvais bouton. On va le contrer, on va lui faire un petit coup. Qu'est-ce qu'il est violent, ce jeu? Moi, il n'y a plus de balles, attendez. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il est là, l'officier. Non, c'est bon. En fait, j'ai un avantage, c'est pendant qu'il recharge, je suis tranquille. Et vu qu'il recharge assez souvent... Et il protège quoi, la porte de... le bunker de qui, là-dedans? Voilà, je voulais tirer dans les barils. Pas bon, pas bon. Oh, ils sont extrêmement nombreux, là. Le baril, s'il vous plaît. Allez, moi, je me sauve, hein. Oh, comment tu peux esquiver le truc, c'est trop marrant. Eh, hey, je suis derrière toi. Bon, poursuivons nos conneries, nous. Ah, celui-là, il était un peu plus habillé. En fait, t'as cherché des barils. Mais comme par hasard, vous voyez, c'est qu'ils m'ont pas servi à grand chose, quoi. Allez, venez. Il en reste un seul, donc il est là. D'accord, quelle belle idée. Ah non, faut pas faire le face-à-face comme tout à l'heure. Ah mais carrément, mais c'est un de ces bons cœurs qui se sont mis là. Tiens, il y a un bouton vert, c'est le seul, donc j'actionne.
C'est fait. On va couler un torpilleur. Non mais il est sérieux lui. Prenez le périscope et tirez sur ce fichu contre-torpilleur. Ouais mais t'es bien mignon mais... Ah oui c'est à l'intérieur. D'accord, carrément. Je trouve que quand même, y en a des choses à faire. Hein. On va détruire maintenant le Z de machin quoi. Déjà faut que je le localise. Je peux zoomer ou pas? Non. Oh merde, je me suis... Ah ouais c'est super sensible. Ah, quoique, regarde, j'ai bien fait en fait finalement de faire de le tirer en avant. Parce qu'il faut savoir que les torpilles, le temps qu'elles arrivent à destination. Ah, c'est pas le bon en fait que j'ai tiré. Je crois que c'était le grand navire. Voilà, on va le couler. Hein. Oh non, ça va pas passer si, de justesse. Merde. De justesse. Bon, alors là, mettons un petit coup là-bas. Je finirai bien par toucher quelqu'un au bout d'un moment. Par contre, le premier navire, je pense qu'il va nous... Ah oui, mais de toute façon, on s'en fout, c'est celui-là qu'on veut. Tu sais, je veux tous les abattre, mais c'est celui-là la mission principale. Donc visons un peu plus en avant, le temps que la torpille elle arrive à destination. Voilà quoi, ça y est. Ah non, ils s'en foutent. Bah ça y est, c'est fini, je crois. Ne me dis pas qu'on a fait un échec. Non, c'est bon finalement. Ah, c'est le temps que la cinématique se met en route. Merci, camarade. Vous valez peut-être quelque chose après tout, monsieur Robert Hawkins. Vous avez prouvé votre loyauté envers la patrie. Ce qui fait de vous un homme. Ici Varsovie. Varsovie appelle toutes les nations libres. Aujourd'hui est le 54e jour de l'insurrection. Le bombardement de Varsovie est permanent. Et interminable. Les courageux habitants de cette ville autrefois magnifique vivent littéralement dans les ruines. Chaque balle, chaque goutte d'eau est synonyme de vie. Tel est l'appel de Varsovie. N'ont pas la moindre chance. La moindre plaie peut mener à une infection mortelle. Je comprends pas. Je vois passer des avions alliés tous les jours. Combien de zones de ravitaillement avons-nous perdues? Presque toutes. Merde. Bon. Accompagnons le docteur Zabinski jusqu'à son hôpital pour trouver de l'aide. C'est parti, accompagnons-le. Nous devons trouver le commandement. Bien. Encore des patates? Ouais, c'est vrai. Hein. C'est parti pour une portion de frites après le let's play. À travers cette onction sacrée, le Seigneur dans tout son amour. Toute sa miséricorde vous aide. Que le Seigneur vous libère du péché, vous sauve et vous relève. Je sais pas. Laisse-moi passer, alcoolique, va. Arrête de boire la vodka, hein. C'est pas le moment d'être ivre. Faut qu'on survive, tu comprends? On a attaqué de toutes parts. Bien sûr. Laissez-moi juste. Je m'en occupe. Venez, inutile de rester planté là. Que sera? Battons-nous pour sauver le pays.
Vite. Est là pour aider. Bien. Le caporal chef Manierka aurait besoin de soutien. À condition que vous sachiez qui c'est. Manierka, ce petit. Bien. Déplacez-vous vite et laissez-nous le débat. Allons-y, libérons la patrie. Docteur, on le perd. J'arrive. Une balle. Deux balles. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est la route de la rata. Donc, il est venu du mal. Vous connaissez ce Manierka? Enfin un peu d'air frais. Je m'occupe d'interroger les passants. Merci. On nous a demandé de faire un rapport à Manierka. Où est-il? La barricade. On dirait que les Allemands se rassemblent pour lancer une offensive. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, poursuivons maintenant le combat. Donc il reste quasiment plus rien de la ville. Hein. C'est lui. C'est pas bon signe. Tu m'étonnes. Ah bah là on va connaître vraiment des bombardements assez impressionnants. On passe par où maintenant? Direction les barricades. S'ils bougent, tuez-les. Et moi c'est je suis le seul con à aller directement au front quoi. Ils sont tous en train de se replier et moi je suis là en train de... Oui bah ils courent plus vite que moi. Hein. Oh le bug, je peux pas aller où je veux. Tricheur, il m'a lancé une grenade. Je te retiens, je te jure, je te retiens. Bon là, je pense que je vais mourir. Hein. Je pense pas que j'aurai un petit centimètre de survie. Oui, bah oui, mais... Oh, je peux pas me cacher. C'est bien, parce que je suis le seul con. Putain, mais il peut pas se cacher. De toute façon, il y en avait trop. Et ce qui est con, c'est que sincèrement, j'aurais pu tous les faire. Hein, tous, hein. S'ils n'auraient pas déconné par rapport au petit bug là où tu pouvais pas te cacher. Oh non, mais je veux pas cette arme là. Elle est pourrie ton arme. Mais où mon sniper? Oh bah tiens, une sucette, pourquoi pas. Ah, mon sniper est là. Détruisez le blindé, donc ça veut dire qu'il y a un blindé quelque part. Voyons voir si la sucette elle est bonne. Non, négatif. Bon, ramassons un petit peu mon arme maintenant. Une arme à lunettes. Bah, dis pour moi ça. Donc c'est pas la même. On a une autre, un autre sniper maintenant. Oh, la balle elle va directement où? Sur l'officier en question. Donc il n'y a plus de chaîne... de commandement maintenant, on l'a neutralisé. On va arrêter d'exagérer. Il est pas paré ce sniper. Hein. Où est-ce qu'ils sont les phénomènes là maintenant? Ah, il est là. Ok. Non, négatif. On a autant de balles, hein. C'est ça qui est un petit peu pareil, c'est similaire. Donc là, j'ai un peu de vodka au cas où on veut boire. Bonjour, je vous lance un petit cocktail, Molotov. Bah toi, tu me lances une grenade. Elle est juste là. Elle est jolie. Elle a failli m'avoir en plus, sa grenade. Par contre, cette arme-là, elle est totalement différente. Bon, c'est plutôt ce sniper-là. Je peux enchaîner les coups, regarde, coup par coup. Elle est plus facile. Qui va nous faire un petit peu les guerriers du jour. Oh, c'est plus facile largement que le sniper à verrou en fait. On a combien? On a 46 balles, non? Bah justement si, en plus j'ai 10 balles, c'est un truc de dingue. Hein. Bon par contre je les vois plus maintenant les Allemands. Merci. Il est là.
Tu vois, j'avais raison que le blindé, il fallait le péter justement avec... avec le bon engin. Ils ont mis des snipers sur les toits, à mon avis, maintenant. Oh là là, c'est vraiment un bordel, ce jeu. Cocktail Molotov, j'en ai 4, c'est bien. Voyons voir si j'arriverai à le stopper avec les cocktails. Ça va aller vite, hein. Il y a deux blindés, hein. On n'avait pas beaucoup de cocktails hein, pour les tuer. Hein. Ils reculent. Et on voit rien en fait avec la contre-lumière là. Tu sais, je reçois des armes, je sais même pas pourquoi, mais j'ai toutes sortes d'armes moi. Donc là, il nous reste encore quelques cocktails, je pense, dans la caisse. Plutôt un seul cocktail. Allez, fais-toi plaisir. Alors lui, il est là. Pardonnez-moi, monsieur. Ah, je gagne même des trophées maintenant. Trophées en carton, bien évidemment. Cette arme-là, par contre, elle t'en abat deux d'un coup. C'est ça qui est cool. Voilà, encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait lui derrière? Ah, c'est pas évident de déneutraliser, c'est rigolo. C'est bien, on va rapidement se ravitailler au niveau de la caisse. C'est chaud quand même ce passage là, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, plus de tête. Ils se sont bien abrités quand même. Hein. Oh mais c'est dingue, hein. J'ai l'impression qu'on a une énorme résistance à combattre là. Il y a un truc que j'aime bien, c'est ces petits ralentis, ça change un peu quoi, de temps en temps. Oh, il l'a bien lancé quand même. Là, cette fois-ci, regardez, il allait tuer mon camarade, sauf qu'il est immunisé contre les grenades à fragmentation pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement, il avait une peau assez robuste, quoi. Bien sûr. Et putain, ils sont partout. Hein. Oh là là. Allez, recharge-moi tout ça. C'est fou, ils sont de plus en plus nombreux, ces Allemands. Où est-ce qu'il est, lui ? Je passe gaffe de pas mourir, parce que si je meurs, je recommencerai tout comme un gros con. C'est pas ce que je souhaite. Voilà. Non. Ah, c'est pas vrai. Il est encore en vie, lui. Oh là là. Eh, mais c'était une grenade qui était passée à côté de moi. Je l'ai même pas vu tellement que j'étais absorbé dans le gameplay. Des deux, non? Non, négatif. Un seul. Normalement, on peut encore les neutraliser. Ah bah dis donc, heureusement qu'on a énormément de munitions. Hein. Mais ça va être illimité. Vive la grenade. Pile sur la caisse de munitions. Normalement, ça aurait pu exploser. Ou peut-être c'est moi qui est con, faut que j'avance. Mais ah oui, mais oui, il faut que je pète le véhicule. Non, mais quel crétin. Je peux toujours rester comme ça pendant un an. Vous avez vu les malins? Par contre, j'ai plus de cocktail Molotov. Merde. Voilà pourquoi j'arrivais pas en fait à avancer. Ah, on l'a pété. Donc du coup, c'est bon. Tu vas te calmer, toi. Toi aussi. Voilà, parfait.
Ouais, c'est ça, vas-y, tout seul sur le mur. Hein. Ils s'en foutent, ouais. Char d'assaut, oh lolo, on est mal, hein. On fait quoi maintenant? Eh mais je les pose où tes charges, toi? Eh, sérieux, lui? Il m'a cru pour un con comme... Ah oui, ils ont même fait un petit passage et tout, regardez. Ok, on pourra tout simplement y aller maintenant comme ça. Donc voilà, je pense que là, on va y aller dans le prochain épisode, ok? A tout à l'heure, les amis. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.